Salut tout le monde, c'est Mi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, ou plutôt vous démontrer, ou faire la démo des 5 étapes de ma routine idéale, de ma routine parfaite à la guitare. C'est parti. Je vous fais un petit aparté rapidement pour vous donner une indication importante. La routine, elle est toujours établie par rapport à un objectif concret, et en l'occurrence ici, moi c'est m'améliorer continuellement en impro, et donc je travaille toujours systématiquement par rapport à une grille d'accords. Typiquement la grille d'un morceau sur lequel je vais devoir improviser un jour, en concert ou quoi. Là, aujourd'hui, je suis sur la grille, une grille que je vous ai présentée récemment sur la chaîne, une partie de la grille de Green Eyes d'Eric Abadou. Je vous mettrai la vidéo en suggestion. C'est la partie à 4 accords avec Do majeur 7, La bémol majeur 7, Fa mineur 9 et Ré bémol majeur 7. Quand je décide en début de séance de bosser sur un mode, vous avez vu, j'ai une pédale de freeze, je freeze un accord. Je choisis un mode que j'ai envie de bosser au sein de cette grille. J'ai pas le temps tous les jours de rentrer, d'être concentré, de rentrer dans une sorte de transe, dans une sorte de flow sur tous les modes de la grille. Je préfère en bosser un sur lequel je me sens pas à l'aise et sur lequel j'ai besoin de bosser. Et les autres, vous allez voir, je vais les bosser d'une autre façon. Donc là, quand je me suis frisé un La bémol majeur 7 pour travailler le lydien dessus, c'est parce que ce La bémol majeur 7 lydien fait partie de la grille dans laquelle de la grille que je suis en train de travailler. Et donc j'ai choisi de la bosser spécifiquement. Là, dans la suite de l'exercice, vous allez voir que je travaille sur toute la grille. Je vais faire ce qu'on appelle les gammes conjointes et les arpèges conjoints, qui sont des exercices extrêmement puissants que personne ne fait. Vous devriez. Et là, c'est des exercices que je fais sur l'ensemble de la grille. Donc, maintenant que vous avez un peu plus de contexte, je peux vous laisser regarder la suite de la vidéo. Je vous donne deux dernières précisions. En termes d'outils pour bosser correctement et réaliser cette routine, vous devriez remarquer que j'ai une pédale de freeze pour geler des accords et pouvoir travailler dessus, par-dessus en fait, et pouvoir m'imprégner des couleurs. Parce que travailler les modes sans contexte, travailler les modes sans entendre derrière l'accord en cours, ça rime à rien du tout. Puisque les modes c'est une question de couleur sur un accord, il faut entendre l'accord pour pouvoir ensuite, les gars, va-t'en la mouche, vous imprégnez de la couleur du mode par-dessus. Donc un freezer, pas de mauvaise blague, une pédale de freeze et un looper pour les exercices qui viennent pour pouvoir bosser correctement arpège, gamme conjointe et ensuite s'entraîner à improviser sur la grille. Voilà, vous savez tout. Je donnerai plus de détails par mail aussi. J'ai des emails privés où je donne plus de conseils. Je synthétiserai tous ces conseils-là sur cette routine pour dans le prochain email. Donc pour ceux qui sont abonnés, bah vous verrez ça arriver bientôt. Et pour les autres, bah abonnez-vous à mes emails privés, vous aurez le lien en description également. Parenthèse refermée.
Bien, voilà les amis pour cette routine. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous parle? Ça vous parle pas? Est-ce que ça semble du chinois? Ça fait sens? C'est intelligible? Je suis curieux d'avoir vos retours. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Moi, ce que je peux vous dire ici, en conclusion, pour synthétiser, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto, la loi du 20-80, 20% de votre travail, de vos actions doivent vous ramener 80% de vos résultats. Là, pour moi, cette routine en 5 étapes, c'est exactement du Pareto. 5 étapes, pas 25, pas 30. Je ne suis pas en train de travailler du sweeping, je ne suis pas en train de travailler du tapping, je ne suis pas en train de faire 10 000 trucs différents. Je travaille le cœur, the core. Je travaille l'essentiel, les amis. L'essentiel pour m'aider à développer mon phrasé. Ça paraît, il y a plein de trucs que peut-être vous ne voyez pas à travers cette vidéo, et que je vous incite quand même à voir, cette routine, elle est chirurgicale, elle est ultra puissante, parce qu'elle est adossée à une grille concrète. Je ne bosse pas la bémol lydien par hasard, je le bosse parce qu'il est dans une grille que je suis en train de bosser. Les gammes conjointes, les arpèges conjoints, c'est sur la grille que je vais bosser. En fait, je concentre tous mes efforts, je concentre toute mon attention sur une grille à 4 accords. C'est même pas la grille totale du morceau, c'est une partie de la grille totale du morceau. Comme ça, je suis focalisé sur quelque chose qui est pas trop gros, 4 accords, c'est pas une grille de bossa nova à 30 accords. Si c'était le cas, je prendrais juste un bout de la partie A et je bosserais sur 4 accords. Mais là, voilà, je réduis en fait la difficulté, je concentre tous mes efforts. Il y a à la fois, en même temps, il y a beaucoup de plaisir parce que je mélange des exercices un peu spartiates, des arpèges, des gammes, qui sont indispensables pour maîtriser votre manche. C'est la chanson des Aristochats. Allez voir les Aristochats, des gammes et des arpèges tous les jours, et un beau jour, vous arriverez à jouer des mélodies merveilleuses. J'ai oublié les paroles, mais c'est ça. Il y a quelques années, je l'avais revu, ça m'avait frappé. C'est vraiment ça, cette chanson est très très vraie. Arpèges et gammes, c'est pas un secret nouveau, les amis. Il faut les bosser tous les jours, mais il faut les bosser intelligemment. Si vous bossez des arpèges en dehors de tout contexte, ça sert à rien. Là, je bosse des arpèges par rapport à la grille que je suis en train de jouer. Et ensuite, j'ai une partie créative où je crée des phrases. Et le fait d'avoir bossé mes arpèges et mes gammes avant, ça m'aide à créer des phrases parce que j'ai travaillé mes repères, j'ai travaillé le squelette, j'ai travaillé l'armature de ce qui va être mon impro, de ce qui va être mon solo. Donc, voilà les amis. Pour moi, c'est vraiment la routine idéale. Il manque une 6e étape qu'il faudrait vraiment que j'ajoute tous les jours. J'ai pas le temps de le faire, les amis. C'est la transcription. Dans l'idéal, il faudrait que je transcrive un solo qu'il y a sur cette grille. Je vais me trouver un solo sur la grille d'Eric Abadou de Green Eyes, un mec qui a improvisé dans l'original ou une cover, on s'en fout. Hein. Une impro sur cette grille, je la relève, je comprends ce qu'a fait le gars, et ensuite j'en dérive des plans à moi. Ça serait l'étape à rajouter. Donc, il y aurait 6 étapes en réalité. J'ai même pas envie de dire que c'est une étape bonus, parce qu'en vrai, c'est une étape très importante, la transcription. D'ailleurs, j'aurais dû faire cette 6e étape hier quand j'ai tourné la vidéo et j'ai pas eu le temps parce que je vous prépare des cours, parce que je fais du montage vidéo, parce que je fais de la transcription pour les formations, parce que je vous écris des emails et que je fais pas 6 heures ou 8 heures de guitare par jour, loin de là les amis. Voilà, je vais terminer là-dessus, sinon ça va être trop long. De toute façon, je suppose que, comme d'habitude sur YouTube, il y a un pourcentage conséquent parmi vous qui a déjà lâché l'affaire. Mais ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont écouté attentivement ces conseils, que ça vous serve. Si demain vous avez oublié, si vous implémentez pas ça, ça sert à rien, vous allez binge-watcher 10 milliards d'autres vidéos sur YouTube pour vous inspirer, mais dans 6 mois vous en serez toujours au même plan. Il y aura une différence parmi vous avec ceux qui mettront en place ça. Alors, ce qui bloque généralement pour mettre en place ce genre de routine, c'est tout simplement la connaissance du matériau de base. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que le lydien, si vous ne savez pas les intervalles qu'il y a dans le lydien, si vous ne savez pas comment trouver les triades qu'il y a dans le lydien, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une triade, si vous ne connaissez pas vos gammes et vos arpèges, bien sûr qu'il faut apprendre tout ça pour être capable de développer cette routine. Et vous apprendre tout ça, c'est mon métier en fait. J'ai une école en ligne, dont je vous mettrai le lien en vidéo,
Et mon but un peu têtu dans le paysage de la pédagogie en France, c'est de vous donner une approche systématique, où en fait je vous apprends tout dans un ordre logique. Je vous apprends à jouer en rythme, des beats croche, des beats double croche. Ensuite, je vous apprends les intervalles pour commencer à rentrer dans l'harmonie. Ensuite, je vous apprends comment on construit des triades, des tétrades. Je vous donne des méthodes pour apprendre ça. En fait, je vous donne exactement toutes les étapes que j'ai suivies moi pour en arriver là maintenant. Et là, je n'ai pas fini, je suis toujours sur le chemin et je suis en train de toujours améliorer mon phrasé. Mais toutes les étapes pour arriver là, c'est mon métier, c'est mon boulot. Et je vous donne accès à tout ça dans un programme par abonnement qui s'appelle l'Alambic. Vous aurez le lien en description, où c'est un prix dérisoire par mois. Quand j'aurai fini complètement de designer ce système parfait à mes yeux, le prix montera, ça c'est certain. Mais pour l'instant, comme je suis lent et que j'avance très lentement et qu'il y a plein de formations que je veux reprendre et plein de nouvelles formations que je veux ajouter, pour l'instant ça coûte rien. C'est 20 balles par mois, les amis. Et il y a déjà énormément, il y a déjà une énorme partie du système. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour mettre en place cette routine. Donc, si vous appréciez ma pédagogie, si vous appréciez mon phrasé, si vous avez envie d'aller dans cette voie, si vous voulez être capable de créer vous-même vos phrases, j'ai pas envie de dire, enfin, j'ai pas envie de dire de jouer comme moi. On est tous uniques, on a tous des influences différentes. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner une boîte à outils, une trousse à outils, pour que vous puissiez vous développer. Mais la base de cette trousse à outils, peu importe le style dans lequel vous êtes, peu importe que vous fassiez du métal instrumental ou du jazz manouche, arpèges, gamme, compréhension de tout ça, travail systématique, pratique délibérée, voilà. Et bien, si vous voulez voir tout ça avec moi, rendez-vous dans l'Alambic, vous avez le lien en description. Voilà, parenthèse commerciale refermée, les amis. J'espère en tout cas que tout ça vous inspire. Si c'est le cas, pensez à mettre des likes, c'est important pour référencer le travail sur YouTube. Sinon, ces vidéos, elles sont vues par 500 personnes et puis elles servent à rien. Et puis évidemment, bah, si de façon générale le contenu vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, tout le baratin habituel de YouTubeur, vous connaissez, mais c'est important pour qu'on continue à faire notre travail ici. Voilà, les amis, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente gratouille. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!